Bonjour à tous et bienvenue sur Academ. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de la paracha de Bo. Bo, ça veut dire littéralement « vin ». Et dans cette paracha, Hachem enjoigne Moshe à aller vers Paro pour lui demander une nouvelle fois de faire sortir son peuple d'Égypte. Dans cette paracha, eh bien, il va y avoir donc les trois dernières plaies et la sortie d'Égypte. Mais j'aimerais m'arrêter sur un point qui apparaît donc dès le premier passouk de cette paracha. Je vais vous le lire en hébreu et puis le traduire. Bo el paro, ki ani echbati et libo, ve et lev avadav, leman chatu ototai, ele bekirbo. Dans ce passouk-là, Hachem dit à Moshe, va chez Paro, car j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs, afin que mes miracles se multiplient dans son territoire. Et la question qu'on peut tout de suite se poser, c'est pourquoi et comment comprendre qu'Hachem ait endurci le cœur de Paro ? Où est la notion de libre arbitre ? Et quel est le sens finalement de cet endurcissement ? Est-ce qu'il n'était pas déjà naturel ? Est-ce qu'il n'était pas déjà chez Paro de par ses décisions antérieures ? C'est une question auxquelles beaucoup de commentateurs vont essayer de répondre. Et étrangement, la Torah elle-même va nous donner plusieurs réponses dans le texte même du Chumash. Je vous propose de les lire ensemble pour essayer de comprendre quel est le vrai but de cet endurcissement en tant qu'action stratégique de la part d'Hachem. La première explication qui nous est donnée, elle apparaît déjà dans Vaera. Vani akshe et lev paro veirbeti et ototai vet moftai beretz mitzrayim. Hachem dit, et moi, j'endurcirai le cœur de Paro et je multiplierai mes signes et mes miracles dans la terre d'Égypte. Ici, dans ce passage, on nous dit donc que le but de l'endurcissement de Paro, il est d'accroître la notoriété de Dieu en Égypte, beretz mitzrayim. Et donc, cet endurcissement-là, il est stratégique pour la notoriété en Égypte. La deuxième raison apportée par la Torah, elle apparaît un peu plus loin, dans le passage suivant. Hachem dit « Ki bepa mazot ani sholeach et kol magefotai, ba'avur tida ki en ani kamoni bechol haaretz. » Ça signifie « Cette fois, j'enverrai toutes mes plaies, après avoir donc endurci le cœur de Paro, afin que tout le monde sache qu'il n'y a pas comme moi dans le monde entier, Bechol Haaretz. » Et donc on comprend ici que cet endurcissement a un autre but ici, c'est la notoriété mondiale, Bechol Haaretz. Une troisième explication nous est donnée un peu plus loin dans la paracha de Bo. Je vais vous lire. « Leman tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher itolalti bemitzrayim vet ototai asher samti bam veyedatem kiani Hashem. » Ici, on change de but. L'objectif de l'endurcissement, il est finalement de t'obliger toi ensuite à transmettre cette histoire à tes fils et aux fils de tes fils. L'objectif donc, c'est la massorette, c'est l'éducation pour finalement créer de la foi et de la émouna chez les générations futures. Donc, on est jusqu'à maintenant à trois objectifs. Le premier, c'est la notoriété en Égypte. La deuxième, c'est dans tout le monde. Et la troisième, c'est l'objectif de transmission interne au peuple juif. Dans un dernier verset, enfin, la Torah va nous apporter une quatrième et cinquième raison à cet endurcissement. Je vais donc vous lire. C'est dans la paracha de Bo, encore une fois. « Vayomer Hachem el Moshe, lo ishama alechem paro. » Hachem dit à Moshe, « Paro ne vous écoutera pas. Leman rabot mofti beretz Mitzrayim. » Afin que je puisse augmenter mes miracles dans la terre d'Égypte. Et donc ici, l'objectif, il est de pouvoir augmenter le nombre de miracles que Dieu va faire, mais aussi de les augmenter en Égypte, Be'eret Mitzrayim, par rapport au peuple juif qui, lui, ne va pas souffrir de ses plaies. Et donc là, on a un quatrième et cinquième objectif, qui est donc l'augmentation des miracles et de montrer clairement, de manière vraiment limpide et claire, la préférence du peuple juif auprès de Dieu. On a donc cinq raisons qui nous sont données par la Torah pour expliquer cet endurcissement. La notoriété en Égypte, la notoriété dans le monde entier, l'objectif de transmission
Et enfin, l'augmentation des miracles et le fait de montrer de manière claire la préférence du peuple juif auprès de Dieu. Mais il me semble que quand pour une question, il y a autant de raisons, c'est qu'il faut peut-être aussi chercher ailleurs pour comprendre le vrai but stratégique de cet endurcissement. Et pour cela, il me semble nécessaire de revenir au tout début du process de la sortie d'Égypte. Il nous faut donc revenir au buisson ardent, le premier moment où Dieu va parler à Moshé et lui expliquer son projet de sortir le peuple juif d'Égypte. Et dans ce passage, il semble qu'il y aurait une redondance dans les paroles d'Hachem. Je vais vous les lire et vous allez tout de suite comprendre. Vayomer Hachem, Rao Raiti et Oni Ami, Asher Bemitzaim, Vet Tsaakatam Shamati. Hachem dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui sont en Égypte et j'ai entendu leur cri. Et puis un peu plus tard, il continue et il dit, Veata, Inet Tsaakat Bnei Israel Bawelai. Et il reprend et il dit, et maintenant, j'ai entendu le cri des Béni Israël. Donc, encore une fois, il va se répéter. Deux fois, il dit, j'ai entendu leurs problèmes, leurs souffrances. Et plus tard encore, il dit, j'ai entendu leurs souffrances. Il semblerait que cette redondance, qui n'en est pas une, indiquerait que Hachem se trouve ici face à deux problèmes. Dans cette mention double des souffrances des Béni Israël, Hachem semble montrer le problème. Il veut les sauver. Il faut les sauver, mais eux ne sont pas prêts encore à sortir d'Égypte. Et d'ailleurs, on sait ce qui les attend, le passage dans le désert, le risque de faire l'idolâtrie avec le veau d'or, et puis l'entrée en Israël qui est un moment dangereux pour leur corps et aussi pour leur vie spirituelle. Moshé reconnaît tout à fait ces deux problèmes. Et d'ailleurs, il le dit. « Vayomer Moshé el Elokim » Et Moshé dit à Hachem, « Mi anochi kelech el paro ?» Qui suis-je pour aller vers Paro ? Qui suis-je pour traiter ce problème de sortie d'Égypte ? Veki otzi et bnei Israël mimitsaim ? Et également pour sortir le peuple juif de l'Égypte. Il y a donc deux problèmes que Moshé va reconnaître aussi. Pour la survie du peuple juif, il ne faut pas qu'il sorte trop tôt, mais au bon moment. Ce bon moment-là, il va donc être dicté par un rythme qui va être enclenché par l'endurcissement du cœur de Paro. Et maintenant, que faire avec le peuple juif ? Comment le préparer lui ? Puisqu'on a dit que le problème de Paro et du fait qu'il puisse vouloir libérer plus ou moins rapidement le peuple juif, ça s'est réglé, c'est Hachem, c'est Dieu qui va s'en occuper en endurcissant son cœur. Mais que faire du peuple juif qui, lui, n'est pas encore en position de sortir et de se libérer de l'idolâtrie, du coup ? Eh bien, il me semble que le commandement de l'agneau pascal va répondre précisément à ce besoin de maturation express. Chaque élément, et on va pouvoir le voir, va les préparer à cette sortie d'Égypte. Le premier, c'est de prendre un agneau. Ça, on le sait, l'agneau, c'était l'idole préférée des Égyptiens. Prendre un agneau, c'est donc pour le peuple juif un premier acte d'affirmation face à l'idolâtrie. C'est un premier pas où le peuple juif va se distinguer des Égyptiens qui les entourent en sacrifiant à un seul dieu, un dieu monothéiste, leur idole, une idole idolâtre. La deuxième étape, c'est que cet agneau doit être acheté 4 jours avant le jour du rituel de sacrifice. 4 jours avant, pourquoi ? Eh bien, le Riskouni, un sage français du XIIIe siècle, nous explique « C'est pour que tous les voisins égyptiens sachent que leur idole est dans la cour de leur voisin juif et que dans quelques jours, il va être tué. » Et donc le juif, en attachant un agneau 4 jours avant le sacrifice, c'est quelques jours qui semblent ridicules, eh bien, au contraire, pendant ces 4 jours, il va montrer à son voisin égyptien, à tout son entourage, que lui est juif et qu'il n'est pas idolâtre. Un troisième signe, c'est aussi le moment où il va falloir sacrifier cet agneau. On nous dit « Ben Arbaim » dans la soirée. Et le Riskouni nous dit « C'est l'heure où les ouvriers reviennent de leur travail, du champ. » Et c'est aussi un moment où la confrontation est grande. Mais notre homme juif qui prend cet agneau-là, eh bien, il le fait au vu et au su de tous parce qu'il assume enfin qu'il fait partie du peuple juif.
Encore un autre élément, avec le sang de l'agneau qui va être sacrifié, il va falloir marquer les linteaux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Mechilta, une Mechilta qui nous rapporte des Midrashim liés à cette époque, il y a une discussion entre les sages qui se demandent, est-ce qu'il fallait mettre le sang de l'agneau sur les linteaux intérieurs ou extérieurs à la maison? Certains disent qu'il fallait le faire de manière extérieure pour, encore une fois, montrer aux voisins, eh bien moi, votre idole, j'en fais un signe de protection personnelle avec mon Dieu. Mais d'autres expliquent que non, le sang devait être à l'intérieur des linteaux pour rappeler aux Juifs qu'il a fait un pas par rapport à son ancienne pratique idolâtre, puisqu'on le sait, il pratiquait l'idolâtrie en Égypte, et donc qu'il est maintenant, qu'il se place tout seul sous la protection divine. Car ce sang-là n'avait pas pour vocation de montrer à Dieu que c'était une maison d'un juif, puisque Dieu n'a pas besoin d'un signe extérieur, mais donc bien de montrer l'appartenance au peuple juif, que ce soit par rapport aux voisins égyptiens ou par rapport à soi. Moi, maintenant, je fais partie de l'équipe du peuple juif. Dans les méthodes de cuisson, qui nous sont donc renseignées par la Torah, on voit aussi qu'on enjoint donc, le peuple juif à le faire d'une manière qui ne laisserait aucune place au doute quant au fait qu'il s'agit bien d'un symbole égyptien qui est brûlé. Il s'agit bien d'un agneau donc, qui doit être rôti, pas caché dans une marmite ou quelque chose d'autre, et qui doit être aussi rôti en entier pour qu'il n'y ait aucune hésitation, que ce soit pour un Égyptien ou pour une personne juive. Car on le sait, s'éloigner du mal ne suffit pas. Il faut aussi en rajouter. Et c'est ce que nous dit la phrase très connue, « Sour mera ve'asetov ». Éloigne-toi du mal, sour mera ve'asetov, et fais du bien. Ce que Dieu attend, grâce au sacrifice pascal, c'est d'obliger le peuple juif à s'affirmer et à montrer qu'il se range sous sa religion. L'agneau pascal, c'est la dernière étape de maturation express, et couplée et permise par l'endurcissement de Paro, c'est ça qui va leur permettre, en sortant d'Égypte, de dire enfin, face au miracle d'Hachem, avec l'ouverture de la mer Rouge, « Vayeru ha'am et Hachem, vayaminu be'Hachem, ubo Moshe avdo » et le peuple vit la grandeur d'Hachem et eut foi et confiance en lui et en son serviteur Moshe. Shabbat shalom.